Arthur Sanley, un frère de la zone spirituelle d'Anyama, a été délivré d'une stérilité secondaire de plus de 10 ans que l'on pouvait considérer comme une malédiction familiale. En effet, elle se définit par la difficulté pour un couple d'avoir un autre enfant alors qu'il en a déjà conçu un. Le couple Sanley a eu une fille, Grace Sanley, en 2012. Après elle, toutes les tentatives, tant au niveau de la médecine moderne que traditionnelle, pour avoir d'autres enfants, se sont toutes soldées par l'échec. Dans leur désespoir, les Sanley se sont tournés vers Dieu à leur manière pour lui soumettre la requête d'avoir des enfants, qui, devenu un réel fardeau, dissipait la paix et l'harmonie en leur sein. Résultat, pas d'enfants. Monsieur le frère Sanlé, je vous faisais le disciple, le pasteur Didi, dans la zone d'Azagué. Il faut dire que depuis 2012, j'ai eu une fille et avec ma concubine dans le temps. Et nous cherchions un second enfant. Et durant plus de 10 ans, nous avons tâtonné. Nous sommes passés à l'hôpital. Nous avons effectué des examens médicaux difficiles. Honteux. Mais avec tous les traitements que nous avons faits, qui étaient vraiment coûteux, nous n'avons pas eu gain de cause. Nous sommes passés voir les tradis praticiens qui ont donné à ma femme des traitements inimaginable, inconcevable. Des traitements où on devait introduire à l'intérieur de son appareil reproducteur des substances vraiment qui dégradaient, qui étaient très douloureux. Et pour un enfant, elle a accepté. Mais à l'issue de cela, nous n'aurions pas eu gain de cause. Gloire à Dieu. Et nous sommes passés voir encore des hommes de Dieu. Et une fois, ma femme allait voir un prêtre qui lui a dit qu'effectivement, que l'enfant que nous avions eu, nous deux, elle et moi, c'était le seul enfant que nous pouvions avoir. Donc, on pouvait s'arrêter là. Nous n'espérons rien d'autre. Gloire à Dieu. Mais moi, je n'étais pas trop attentionné sur ce qu'il avait dit. Et dans la miséricorde de Dieu, il nous a fait comprendre un jour, quand nous sommes rendus au village, et ce qu'il faut remarquer qui est essentiel, c'est que dans la famille, il y avait ce problème-là, ce problème de stérilité, dans les deux niveaux, que ce soit une stérilité totale ou secondaire, dont j'en étais victime, la stérilité secondaire, comme j'avais eu une fille. Et mes frères, au nombre de 9, 8 enfants, la sœur aînée qui a eu un enfant qu'elle a perdu après l'accouchement, ou même elle a failli perdre la vie. Mon petit frère également a eu que deux, trois, quatre enfants, mais avec une difficulté après le premier enfant. Celui qui le suivait avait
n'avait pas eu d'enfant. Ma petite sœur également, qui s'est mariée il y a au moins 5 ans de cela, n'a pas encore d'enfant. Et c'est quelque chose de palpable, de réel. Et cette stérilité-là se manifestait dans la vie des parents de ma maman. Sa grande sœur avait eu seulement qu'un seul fils. Mais comme quand tu es dans le péché, dans le monde, toutes ces choses-là, ça t'amène à réfléchir en te disant que c'est des choses naturelles, que ça n'a rien de spirituel, que la médecine ou bien au premier venu peut guérir cela. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu comprends que il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Gloire à Dieu. Et comme je le disais tantôt, comme nous sommes rendus au village, il y a mon petit frère qui est à la CMCI, qui a fait la grâce, qui nous a fait la grâce de rencontrer, de voir le Seigneur, de rencontrer le Seigneur en fait. Mais au départ, quand il donnait l'évangile à ma femme, qui lui parlait de la stérilité qui était réelle, comme il en était victime. Parce qu'au départ, il a eu un enfant en venant en Christ. Et dans sa marche avec le Seigneur, cette difficulté-là s'est révélée, s'est vraiment montrée, effectivement, la stérilité s'est manifestée dans sa vie. Mais un jour, après plusieurs moments de combat, de lutte, de recherche du Seigneur, le Seigneur va lui faire une révélation en songe où il voit effectivement que les parents, nos parents ont hérité d'une malédiction qui est la stérilité. Et cette stérilité-là était sur tous les enfants, la plupart ceux qui n'étaient pas, qui ne s'étaient pas donnés au Seigneur. Et effectivement, lui, il en était victime. Mais il a renversé cela. Le Seigneur Jésus-Christ a renversé cela. Gloire à Dieu. Et il a eu après 4 enfants. Gloire à Dieu. Pourtant, celui qui a accepté le Seigneur doit tout d'abord obéir à cette parole des Saintes Écritures dans Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est sur ce droit chemin que le petit frère d'Arthur, le pasteur Brice Senlet, un authentique enfant de Dieu de la CMCI, a franchi de cette malédiction familiale. Introduit Arthur et Philomène, sa concubine, qui est devenue sa femme après sa conversion dans le village d'Akoupé. Cette dernière va donc embrasser Jésus à cette condition. De retour à Zaguié, c'est le pasteur Éric Didi, dirigeant de l'œuvre dans le sous-centre d'Azaguié, qui assure lui la responsabilité d'arroser la semence déposée par le pasteur Brice. Une mission qu'il réussit à accomplir par la grâce de Dieu, conduisant Arthur et Philomène dans la bergerie du Seigneur. Et lui étant pasteur, quand nous étions dans le monde, ça ne nous ébranle pas. Nous ne sommes aucunement inquiétés par le fait qu'il soit pasteur. On s'est dit, bon, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui aime Dieu, c'est fini, ça s'arrête là. Donc quand il nous prêche, il donne l'évangile, on raisonne. Il a donné l'évangile. Il a présenté d'abord le cas de la sérité à ma femme. Mais moi, quand il m'en parle, ça m'irrite. C'est pas, pour moi, c'est quelque chose de naturel. On peut guérir ça à l'hôpital. Malgré que 10 ans, 8 à 10 ans avant, je n'avais pas encore eu d'enfant. C'était une difficulté jusqu'à 10 ans. Je n'avais pas. Mais je raisonnais, je disais, bon, ça va passer, c'est pas grave. Je me consolais. Mais ça a créé, cette sérité a créé dans ma famille, ma relation avec ma femme, des troubles, des mésententes. Il arrivait un moment où on devait se séparer parce qu'on n'avait pas un second enfant. Et quand mon frère dit à ma femme qu'effectivement, dans la famille, voilà certaines choses qui existent, qui sont réelles, moi je ne crois pas. Elle, tout de suite, elle saisit cela. Elle sait que c'est quelque chose de réel. Elle m'en parle. Et je suis
pas intéressé, je suis pas trop emballé par la chose. On est quitté au village, on rentre à Zagué. Le frère nous confie des frères qui sont à Zagué. Ils nous prêchent l'évangile. Ils nous donnent l'évangile. Ma femme, tout de suite, est captivée par la chose. Elle reçoit le Seigneur et part au baptême. Entends-moi, je ne suis pas baptisé. Elle vient me dire un jour que on ne peut plus aller ensemble parce que tant qu'on n'a pas fait on n'a pas fait la dot que je me suis pas donné au Seigneur, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas aller avec elle. Et mon projet de faire enfant s'est volatilisé. Et je suis. C'est vrai, j'étais intéressé par la chose, mais je n'avais pas encore cette conviction personnelle. Et je réfléchis, je réfléchis. Et un jour, je comprends que c'est par le Seigneur seul que je peux avoir la délivrance de la sécurité secondaire. Gloire à Dieu. Et je fais ma repentance. Je remplis mon cahier, je fais ma repentance. Je vais aux eaux de baptême. Je vais faire effectivement la dot de ma femme en 2021. Gloire à Dieu. Je me souviens, c'est le 18 juin 2021 où la dot a été faite. Gloire à Dieu. Et on revient. Un jour, avec le pasteur, on se rend à Tiekwa pour la croisade des principautés, des renversements des principautés personnelles et familiales. Et un frère donne un témoignage. Un témoignage dans lequel, avant le témoignage, le pasteur, l'orateur dit ceci, que lorsque le témoignage est donné, il faut saisir, il faut être attentif au témoignage et saisir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être tu dois te dire que le témoignage qui est donné peut t'arriver, ce qui est arrivé au frère peut t'arriver. Et effectivement, nous avons saisi le témoignage, ma femme et moi. Et à l'intérieur du témoignage, il y avait un élément essentiel que je n'ai pas négligé, c'était le brisement de lien. Gloire à Dieu. Effectivement, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais je n'avais pas fait mon brisement de lien. Et ma femme avait reçu cette révélation-là, qu'effectivement, qu'il faut qu'il fasse mon brisement de lien. Mais moi, je ne voyais pas l'intérêt. Je me suis donné au Seigneur, j'attends les résultats. Enfin, depuis là, ça ne vient pas, il y a quel problème. Et je fais mon brisement de lien. Gloire à Dieu, en 2022. Et après mon brisement de lien en 2022, la fin de la croisade, c'était le 10, je crois le 9 août 2022. Et après cela, ma femme fait un songe, parce que j' ai fait mon brisement de lien dans le mois de mai, je crois, mai-juin par là. Et ma femme fait un songe. Elle fait trois songes. Je me souviens d'un seul où elle dit que il y a une femme qui lui donne un enfant. Gloire à Dieu. Dans le songe. Et après cela, après les 2 mois de mon brisement de lien, elle reçoit effectivement, elle a un retard. Gloire à Dieu. Et elle part à l'hôpital. Pour aller faire l'examen. Moi, je n'étais pas là. Et quand il fait l'examen, effectivement, c'est une grossesse, un début de grossesse. Amen. Et le Seigneur, maintenant, va nous faire comprendre qu'il est présent, que c'est lui qui est au contrôle. Les examens commencent, on commence tous les examens avant la naissance. Et l'enfant est mal, on dit le cordon commence à s'attacher son cou, tout ça. Et après les prières, après tout ce qu'on doit faire, qu'on devait faire pour que ce soit normal, a été fait. Et l'enfant revient à sa bonne disposition. Gloire à Dieu. Et 9 mois après, en juin 2023, elle me donne un gros garçon qui est ici présent, qui s'appelle Sans l'exercer Isaac.
Je veux dire. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Faut la voter. Il est là. Donc, voilà. Acclamation. Acclamation à Jésus. La manifestation de Jésus-Christ qui est là. Tout joyeux. Il respire la vie. Et Jésus-Christ est bon. Il nous a guéris et restaurés intégralement de la stérilité secondaire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Psaume 113, le verset 9.